Bulls had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. It's with a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James. A couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Thompson on the hop. Curry wide open for three. Yes. Maybe the best ball handler in the league, as you see. Beautiful pass. Russell Westbrook. Stolen away by Curry. Oh, what a move on that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is the game for guards. Catch and shoot by Corver. And he's laying. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci de vous connecter sur le parquet de la radio Off. Et oui, on est de retour sur le parquet de la radio Off. C'est reparti pour des talk shows live. C'est reparti pour des concernant la NBA. Toutes les news 24h sur 24, 7 jours sur 7 en direct de la Grande Ligue. C'est uniquement sur le parquet de la radio Off. Mesdames et messieurs. Bien entendu, pour ceux qui suivent les talk shows depuis un certain temps, vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil depuis Manchester, ou plutôt devrais-je dire depuis le 237, on va plutôt préciser cela puisque on va dire qu'il y a eu quelques depuis un certain temps, hein, pour ceux qui savent que nous n'étions pas connectés depuis près d'un mois, on a dû retravailler beaucoup de choses au niveau de la radio. Moi personnellement, j'ai effectué un déplacement au niveau de l'Afrique centrale, plus précisément au niveau de mon Cameroun natal, où je suis actuellement pour travailler avec divers partenaires pour l'installation des activités de la radio pour la partie Afrique. Et bien entendu, on tiendra au courant de l'évolution de tous ces éléments concernant le déplacement d'une partie des activités de la radio off du côté de l'Afrique, mais de toutes les façons, cela ne change rien au direct live, cela ne change rien au talk show habituel que vous avez l'habitude de suivre. Et donc c'est parti sans plus tarder avec votre talk show du mardi de Big NBA Show. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
c'est reparti sur le parquet de la radio, mesdames et messieurs. On est reparti avec votre talk show habituel de Big NBA Show, comme vous en avez l'habitude. Et comme vous le savez, sur le parquet de la radio, c'est bien moi, Oncle Phil, de retour sur le parquet. Oncle Phil qui est bien présent pour vous présenter les talk shows de la radio. Et pour ceux qui le savent, je ne présente pas les émissions de la radio tout seul. Je suis toujours accompagné de nos partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. Et on va commencer par accueillir les participants qui sont déjà positionnés. On va accueillir Eddie depuis Oklahoma City qui est là. Eddie, est-ce que tu m'entends? Bonsoir Eddie, c'est quoi mon frère? Ça nous a manqué. Oui, ça va très très bien Eddie, ça va très très bien, je suis très très heureux, je suis plein d'énergie là, comme tu le sais, je suis au niveau du bois pour me ressourcer, pour me recharger, bien entendu, comme je l'avais précisé aux auditeurs précédemment, pour préparer le terrain pour installer une partie des activités de la radio au niveau de l'Afrique, car comme tu le sais, on a toujours eu comme objectif, comme intention de faire vibrer cette passion que nous avons pour l'NBA. Pour l'Afrique aussi, et pour en plus de la diaspora, mais pour l'Afrique aussi, tu le savais. Ouais. Encore plus élevé, encore plus haut, c'est notre objectif. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio, mesdames et messieurs. Allez, on va enchaîner comme on a l'habitude. L'actualité NBA qui est extrêmement riche, hein, Eddie. On est resté connecté tous les jours. Il y a encore beaucoup de choses à dire, Eddie. Hein. Beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements, beaucoup de situations rocambolesques. On ne doit pas revenir sur le mois sur lequel nous n'avons pas diffusé de talk show. Ce n'est pas la peine, puisque la particularité de la radio, c'est de faire le point sur l'actualité du moment, sur les événements les plus chauds. Et bien entendu, pour ceux qui suivent ce qui se passe du côté de la Grande Ligue en ce moment, vous savez, la chose qui fâche, la chose qui fait parler, c'est le transfert de Blake Griffin. Et je crois que toi aussi, tu en as eu un peu quelques mots de tête, je ne sais pas, de ton côté. Un peu surprenant, c'est vrai. On va faire le point là-dessus, on va faire le point sur tous ces éléments, Eddie. Bien entendu, on va balancer rapidement, on balance rapidement les quelques préalables, c'est moins d'une minute, et puis on revient pour le direct live. À tout de suite, les amis! Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball. Femme qui a le ballon.
Jeune Xiaolan fait monter la pression. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. C'est reparti sur le parquet de la radio. Vous avez, on a fait le point sur les préalables assez rapidement et puis on va enchaîner. Mais avant de repartir avec bien entendu les éléments du direct, on va accueillir l'une de nos fidèles auditrices depuis Paris, Missy. Bienvenue Missy sur le parquet de la radio. Tu nous as manqué. Oui, bonjour. C'est comment? Allô. Ah, je suis un peu souffrante, mais ouais. On est là. Super. Super. En tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois là. On va commenter rapidement l'actualité. Bien entendu, dès que si tu es obligé de t'éclipser, il n'y a pas de souci. Tu nous fais signe. On sait que tu seras de retour de toutes les façons lorsque tu seras à 100%. On fait comme ça, non? Oui. Allez, oui, c'est parti. Eddy, tu es bien positionné, mon frère? Oui, en tout cas, je suis en poste. Allez, super. Allez, on va enchaîner avec le tuteur NBA Show. On rappelle, mesdames et messieurs, que le format live de Big NBA Show est un format live qui dure environ 45 minutes. Si ça se coupe au niveau du direct live, n'hésitez pas à vous reconnecter. On relancera la suite du direct pour la deuxième partie du talk show. Donc, n'hésitez pas, c'est un show en deux parties de 45 minutes. Il reste actuellement 33 minutes de live. N'hésitez pas à vous reconnecter. De toute façon, je vous avertirai dès qu'on arrivera à la fin du talk show pour le direct live. N'hésitez pas à vous reconnecter pour la suite du direct. Quant à nous, on continuera à enchaîner. Et pour ceux qui écouteront le talk show par la suite, vous aurez l'intégralité du direct sur les podcasts. Alors, pour ceux qui suivent la petite musique de fond sonore, vous avez reconnu le Twitter NBA Show, le Twitter NBA Show, cette petite rubrique qui nous permet d'aller au-delà de quelques news concernant les joueurs de la Ligue. Et on va commencer, bien entendu, du côté des Celtics de Boston. Alors, les Celtics de Boston, petite réaction concernant un big up adressé à Jalen Brown des Celtics de Boston. On sait que cette équipe se porte toujours bien. Oh, Eddy, c'est une équipe qui se porte toujours bien. Hein? exactement, mon frère. Une équipe qui se porte toujours bien et je partage avec vous comme ça cette réaction de Draymond Green. Puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, il semblerait que John Wall serait out pour l'All-Star, hein. C'est bien ça, hein? John Wall. Allô? Eddy, oui, vous m'entendez? Alors, un petit souci. J'ai dit John Wall qui serait out, hein, pour le... Oui, selon les nouvelles, il va subir une opération de nettoyage de voilà. Son genou. Voilà, donc, il sera pas... absent par temps, au moins, il ne sera pas présent. Voilà, il ne sera pas présent pour le Star. Alors, une réaction comme ça de Draymond Green. Draymond Green qui a précisé sur ESPN qu'il espérerait que Jalen Brown soit sélectionné pour le Star pour remplacer John Wall. Et bien entendu, il souhaiterait que Adam Silver fasse un geste dans ce sens. Jalen Brown pour le Star Game. Et dit, c'est un peu tôt, non? Ouais, c'est vrai quand même. Jalen Brown. C'est vrai qu'il est très bon, mais quand même All-Star. Je pensais peut-être à un Dwight Howard, par exemple, qui fait une très bonne saison. Oui, Dwight Howard, oui. C'est vrai. Mais bon. Lui, il estime que c'est un bon choix, mais bon. Son opinion. Ouais. Alors, on va enchaîner avec le deuxième big up. On va essayer de faire réagir Missy, justement. Missy, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux dire un mot? Oui. Alors, un petit mot, une petite pensée pour Dwight Howard. Dwight Howard ce soir, avec une réaction de Sam Brown. Sam Brown qui réagit, l'expert Sam Brown qui réagit en live comme ça concernant Dwight Howard. Vous savez, vous, ceux qui suivent un petit peu l'actualité, on est Dwight Howard qui est aussi en pleine possession
on peut le dire, en pleine possession de ses moyens, Dwight Howard. Alors Sam Brown qui dit Dwight Howard est excellent en ce moment, il joue très très bien, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce très très haut niveau de carrière. Je suis très très heureux pour lui. Il a vraiment l'impression de retrouver du plaisir sur un terrain de basket, et Dwight Howard qui a répondu « Merci infiniment, c'est une vraie bénédiction pour moi de pratiquer le jeu que j'aime. » Alors, Missy, je ne sais pas si tu as regardé un peu Dwight Howard, mais il a passé les 2000 blocs en carrière. Il est plutôt pas mal en ce moment, Dwight Howard, du côté des Hornets. Il est plutôt pas mal, ça fait du bien de le revoir. Oui. Dans l'équipe de Hornets, il gagne un peu. Oui. C'est une bonne chose de le revoir, en fait. Oui, ça fait du bien de voir Dwight Howard au plus haut de sa forme. On rappelle que du côté des Charlotte Hornets, les Hornets qui sont à, alors je suis au niveau de mon tableau de bord, 20 victoires pour 29 défaites. Les Hornets qui sont 11e de la conférence Est en ce moment. Donc ça tourne plutôt pas mal pour eux. Et dis un petit commentaire sur Dwight Howard. Comment tu le trouves en ce moment? Il est plutôt pas mal, non? Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il mérite vraiment d'être All-Star. Parce oui, que tu l'as dit, c'est vrai. Il fait vraiment une très bonne saison, individuellement parlant. Oui. Il a vraiment écouté les conseils de Michael Jordan. Et il s'est engagé vraiment à mettre de côté toutes ces distractions extra-sportives. Oui. Et vraiment de se concentrer sur sa carrière professionnelle. Parce que nous le savions tous, hein, il a toujours été un talent exceptionnel. Oui. Tout au long de sa carrière, 4 fois défenseur de l'année. Oui. Il a été meilleur rebondeur, meilleur contreur à plusieurs reprises. Bref, c'est quelqu'un qui vraiment, il se retrouve vraiment, il retrouve ses marques. On ne peut que lui souhaiter le meilleur. Effectivement, on ne peut que lui souhaiter le meilleur à Dwight Howard. Et on continue avec cette partie Big Up avec Aylor Ford qui a réagi sur son Twitter aujourd'hui concernant les Celtics, puisque je l'ai dit au début, vous le savez, les Celtics, c'est l'équipe de la conférence Est qui se porte très très bien, une équipe qu'on ne présente plus, toujours première de la conférence Est avec 36 victoires pour 15 défaites, 18 victoires pour 8 défaites à la maison, pour 18 victoires pour 7 défaites à l'extérieur, une équipe qui fait plaisir à voir jouer. Aylor Ford qui a déclaré concernant leur dernier match, puisqu'ils ont battu Denver, hein, ils ont battu Denver, on reviendra sur le résumé de ce match tout à l'heure. Aylor Ford qui a déclaré, il a dit c'est un très très bon moyen, c'est un très très bon moment hein, pour finir ce road trip, puisque c'est le dernier match de leur road trip, puisqu'ils vont retourner à la maison par la suite. Il a dit c'est une très très belle façon de finir ce road trip, puisqu'ils ont battu l'équipe de Denver. Il a dit les fans des Celtics ont été très très impressionnants dans leur soutien, leur soutien a été incroyable, extraordinaire. On rappelle que les Celtics de Boston, 36 victoires, 15 défaites, 18 victoires, 7 défaites à l'extérieur, 18 victoires et 8 défaites à la maison. Missy, un petit mot sur tes Celtics, sur tes chouchous. Oui, c'est une équipe qui tourne bien parce que ils font vraiment les efforts les uns pour les autres. Oui. À un moment donné, ils ont l'avance dans ce match face aux Nuggets. Oui. Ensuite, les Nuggets reviennent, mais ils font quand même bloc pour au finish l'emporter sur le fil. Hein. Oui, sur le fil. Ça dénote des bonnes équipes. Hein. Oui, c'est un peu comme les Warriors, vous ne gagnez pas tous les jours, mais les matchs, vous vous dites, mais je ne dois pas perdre. Effectivement. Tu as gagné même d'un point, comme on dit toujours dans beaucoup de cas. Moi, je dis toujours, la victoire, c'est la victoire. La victoire, c'est la victoire. La victoire, c'est la victoire. Une équipe des Celtics qui fait plaisir à voir. Et on va enchaîner, mesdames et messieurs, on va enchaîner avec la suite du talk show. Nous attaquons rapidement les résumés des matchs de la nuit. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés. Hey, gros débile! Ouais, ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi, Choco. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Les amis, on attaque les résumés des matchs de la nuit, les derniers matchs qui se sont joués il y a encore quelques heures. On fait le point sur l'ensemble de ces matchs qui nous ont fait vibrer et on va rattaquer rapidement avec les invités de ce soir. On va rattaquer avec la rencontre, on va commencer par quel match on regarde. Ah là, il va aller Miami face à Dallas. Donc on rappelle ce qui s'est passé sur ce match. Hassan Whiteside et Eric Spoelstra qui ont eu une longue discussion avant le match du Heat face à Dallas, et le pivot qui semble-t-il est sorti très très épanoui puisque Miami a battu les Mavericks sur un score de 95 à 88 sur le parquet des Mavs. Et on rappelle que Hassan Whiteside a terminé avec 25 points, 10 sur 15 au tir, 14 rebonds, et c'est son 18e double-double de la saison. On rappelle que le Heat de Miami, je m'en vais sur mon tableau de bord là, le Heat de Miami qui au niveau de la conférence Est est actuellement quatrième de la conférence Ouest avec la conférence Est avec 21 victoires pour 21 défaites, 13 victoires pour 10 défaites à la maison, 16 victoires pour 11 défaites à l'extérieur. Et le Heat de Miami, quatrième de la conférence Est, ça fait plaisir. Non seulement ça fait plaisir, mais c'est aussi très impressionnant vu l'effectif à la disposition de Coach Spoelstra. C'est vraiment impressionnant. Nous savons la blessure de John Waiters, qui sera out pour le restant de la saison. Oui. Et voilà, malgré tout, il trouve toujours des moyens de grignoter, par-ci, par-là. Et puisqu'à se retrouver à la quatrième position, vraiment, c'est très, 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 très impressionnant. C'est très impressionnant. Il est temps qu'on se dise que Coach Spoelstra est parmi les meilleurs coachs de la NBA. Coach Spoelstra continue à montrer de tels résultats avec si peu, c'est vraiment impressionnant. C'est très, très impressionnant pour le Heat de Dieu.